Agriculture biologique et forêt, espèces envahissantes, gestion de l'eau, pêche côtière et aquaculture, autant de thématiques sur lesquelles la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française et Pitcairn ont choisi de travailler ensemble. Sous l'impulsion et le financement de l'Union européenne, ils se sont unis au travers de Protège, le programme régional océanien des territoires pour les gestions durables des écosystèmes. Aujourd'hui, Sujet Rossim, l'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, est venu rencontrer les acteurs de Protège en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est important pour moi, c'est de voir l'impact, l'efficacité, l'utilité de nos programmes. Je vois que c'est un programme qui porte ses fruits, puisqu'on répond à des préoccupations des territoires. Ça leur permet de gagner en compétences, ça leur permet de gagner en capacité. Donc ce qui est important ici, c'est de tirer tout ça vers le haut, et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut partager avec les pays voisins. Protège soutient les politiques publiques des territoires membres du projet dans le but d'y intégrer au mieux le développement durable, mais aussi pour augmenter leur résilience, leur capacité à surmonter et absorber les perturbations climatiques notamment. C'est la CPS, la Communauté du Pacifique, et le PROE, le Programme Régional Océanien pour l'Environnement, qui mettent en œuvre le projet auprès de leurs partenaires. On a les mêmes problématiques. On est sur des îles, on a beaucoup à apprendre les uns des autres dans la région. Donc l'idée du projet, c'est à la fois de travailler ensemble entre pays et territoires d'outre-mer, d'aller chercher ce qui se fait dans la région en matière d'agriculture, de pêche côtière, etc. On va aussi mettre en œuvre des projets de manière concrète et opérationnelle dans les territoires, en s'inspirant, en allant chercher les savoir-faire et les expertises de la région et en travaillant ensemble.